Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve dans ma salle de bain puisque je vais vous faire ce genre de vidéo, c'est-à-dire que je me prépare en vous parlant. J'aime beaucoup ce genre de vidéo, j'adore regarder ce genre de vidéo quand c'est pas hyper long. J'adore qu'on m'envoie un message pour me dire comment je dois parler dedans la vidéo. Donc, pour commencer, j'ai déjà mis ma crème hydratante que vous connaissez. C'est ma Nivea. Alors, donc pour vous dire à peu près, j'ai eu mon conseil de classe la semaine dernière. Là on est le 25 mars, le samedi 25 mars, je vais essayer de vous mettre cette vidéo demain, ça serait cool pour que vous l'ayez dans les temps. Comme ça fait super longtemps, voilà. Donc, j'ai eu mon conseil de classe la semaine dernière, j'avais super peur parce qu'au premier trimestre j'avais eu 9,5 moyenne. Mon bulletin n'était pas super du tout et du coup j'avais eu ma rencontre parent-prof et les profs me mettaient la pression, mes parents me mettaient la pression, je me mettais la pression, comment vous dire que le stress en moi était ultime cette période-là. Moi je savais que si je pouvais pas passer en première appliquée, ça allait être catastrophique. Du coup je me suis mis la pression et là au deuxième je tombe à 10,80 je crois, donc et en plus avec je me suis tapé une note pourrie en anglais là il y a pas longtemps, du coup j'étais à 11, bah je tombe à 10,80, voilà, donc j'étais super contente parce que bah fallait que j'aie au-dessus de la moyenne quoi, et du coup j'ai eu un retour favorable sur mon passage en première à appliquer. Donc voilà, il y a soit favorable, soit réservé, soit défavorable. Défavorable, c'est que c'est mort, vous ne passez pas en première à réappliquer. Réservé, ils sont mitigés en fait, donc ils attendent de voir le troisième trimestre. Et favorable, c'est que c'est bon actuellement, mais il faut quand même ne pas lâcher au troisième trimestre. Et je sais que je vais vous faire la vidéo sur la réappliquer, mais il faut que j'en parle un peu. En fait, j'ai des idées, mais je ne sais pas trop comment faire. Et voilà. Donc faut que je vois, mais vous inquiétez pas, je vous la ferai avant la fin de l'année. Oui, avant de bosser sur pas mal de vidéos. Donc c'est pour ça que c'est un peu chaud, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, sinon là j'ai appliqué, pour parler de ce que je suis en train de faire, j'ai appliqué un anti-cerne Smashbox que j'ai reçu, qui est trop bien. C'est la zone la plus claire, je crois, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Et il est super bien. Moi je mets que de l'anti-cerne, le bâton de teint, parce que les cernes sont mains, voilà. Je mets que de l'anti-cerne avec une petite éponge et voilà, super bien. Je vais fixer et matifier ça avec une poudre fixatrice blanche. Donc ça fait pas mise au point que ça sert à rien que je vous la montre. Et un pinceau de Elsa Makeup qui vient de ma soeur, tout simplement. Et voilà, je fixe ça, comme ça j'ai la poudre blanche. Non, en vrai ça fixe super bien. Et voilà, donc pour moi, mes cours en ce moment, parce que je sais que vous étiez beaucoup à me demander, et comme je suis pas trop active sur YouTube, bah je voulais vous tenir au courant. C'est pour ça que les vidéos en ce moment, bah ça ralentit, bah, parce que bah, même depuis le début de l'année en fait, je peux vous dire, parce que bah voilà, les cours c'est super chaud. Donc voilà, c'était pour vous dire, et vous dire que bah là, bientôt, je vais avoir 3 mois de vacances parce que je finis les cours début juin. Donc c'est pour vous dire que les vidéos vont reprendre de plus belle, et là j'y suis. Plein d'idées de vidéos, vous pouvez même pas imaginer comment. Pour la vidéo City, la Gaïa Beauty, la vidéo City, je ne pourrais pas être présente. Sauf si un miracle existe, c'est dans 2 semaines. J'avais demandé à mon frère qu'on y aille tous les deux en week-end à Paris. Et que je sois là les 2 jours, ça aurait été cool. Et franchement, j'aurais adoré. C'était prévu, mais comment vous dire que ma soeur, mon frère doit emmener ma soeur à l'aéroport parce qu'elle s'en va à Rome pendant 6 mois. Donc voilà, c'est un axe. et du coup bah, comme par hasard il emmène ma soeur le samedi la Vidéo City, donc je ne pourrais pas être présente à la Vidéo City sauf si un miracle arrive, inchallah. Voilà, par contre pour la Gaïa Beauty c'est un peu plus tard, je crois c'est au mois de juin, donc la Gaïa Beauty il y a peut-être encore possibilité que j'y aille, il faut que je veuille encore, mais que c'est pas maintenant du coup, voilà, mais j'aimerais beaucoup être au moins actif, enfin putain, ouais, être au moins présente à cet événement là. Ça me ferait super plaisir de vous voir. Et voilà, en parlant d'abonnés, j'étais au lycée l'autre jour, donc à Jean Monnet, Elsa, ça présente. Je sais que les gens ils adorent quand je parle de mon lycée, Elsa. Et du coup, oui, je vais vous dire un peu, à peu près tout mon lycée, ça fait que je fais des vidéos, donc c'est super. Tout le monde me demande des dédicaces, donc voilà. L'autre jour, j'étais au self. Donc avec mes potes, vous voyez, genre Victoria, Jade, Ange et Sarah. Pile en face de tout le monde où tout le monde passe. Et là, je vois des filles qui me pointent du doigt, qui me pointent du doigt. Et là,
Du coup, je savais pas trop, enfin, j'ai eu la tendance à trouver à moi, pas moi, du coup, je me retourne et il y avait personne derrière moi. Du coup, elle me monte du doigt, je suis là. Elle me monte du doigt à moi. Et là, elles me font coucou. Et là, Victoria me fait, bah, je crois que c'est des abonnés. Et c'était des abonnés. Ah, je l'ai pas dit à mes parents, ça. Je l'ai pas dit à mes parents, du coup, non. Bon, bah, attendez, faudrait que j'aille le dire à mes parents après. Du coup, et après, elles me font coucou. Et moi, je leur fais coucou. Et après, on m'entend, c'est juste moi, ouais. Du coup, bah, j'étais trop gênée, mais j'étais trop contente, quoi, parce que ça m'a fait super plaisir. L'autre jour, je passe dans les couloirs de mon lycée. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez su l'histoire. Là, j'entends quoi? J'entends, c'est juste Emma. Mais c'est des gars, hein, mais... J'entends, c'est juste Emma. Et après, j'entends gueuler, c'est juste Emma. Oh la honte, les gars. Oh là là, mon dieu. Oui, donc voilà, c'est pour vous dire qu'à peu près tout le monde sait que je fais des vidéos. Mais au moins, ça me fait rire, moi, j'aime bien. J'ai reçu un colis de bouffe américaine du site American Life Market. Donc je l'ai reçu il y a cette semaine, sauf que faut que je filme la vidéo donc avec Baptiste, Thomas et Romain je pense. Je vais voir après la disponibilité des autres. Mais du coup, le week-end c'est impossible, enfin c'est presque souvent impossible qu'on se voit. Du coup je pense que vous aurez la vidéo pendant les vacances parce que c'est que la vidéo à la rentrée que j'avais fait avec eux, vous avez genre énormément plu. L'autre jour, on était en cours et tout, et bon, c'était un cours un peu, c'était avant les vacances, c'était un peu ennuyeux, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on s'amusait à faire des cap ou pas cap ou je sais pas quoi là. Non, je vous explique. On avait un dé, bref. Attends, par contre là, faut que je sois concentrée parce que voilà. On avait un dé et en fait, si tu tombais sur le chiffre pair, t'avais quelque chose. Et si tu tombais sur le chiffre impair, t'avais quelque chose aussi. Donc moi, c'était soit je sais plus quoi, ou soit... si tombe sur un nombre pair, je crois. Je vais faire une dédicace dans ma prochaine vidéo. Et ça allait être les filles, donc Sarah, Jade et Victoria, je crois aussi, qui a mis un mot. Il dit dans ma prochaine vidéo. Donc je lirai ce mot à la fin de la vidéo parce que dans ma dernière vidéo, j'ai oublié. La communauté accompagnée se passe plutôt bien. Je sais que vous étiez beaucoup à me demander si ça se passait bien, etc. Ça se passe super bien. Bon, je conduis qu'avec mon papa presque, mais bon. C'est pas grave. Là, le mascara que je suis en train de mettre, c'est celui que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Le produit que j'utilisais pour mes sourcils, parce que vous allez me demander, c'est un trio de Nocibé que j'ai reçu, que j'avais grave envie de tester. Donc, vous avez le goupillon, vous avez la cire et vous avez l'enlumineur. Vous le mettez sur les contours et vous estompez. Voilà, c'est tout ce que je fais en fait. Je mets un peu de palette dans le coin interne de l'œil du mascara. Voilà, et donc là, je vais vous mettre du mascara, enfin du rouge à lèvres parce que. C'est un rouge que j'aime trop qui vient de Sephora que j'ai reçu aussi, mais je l'aime trop, la couleur est magnifique. Et c'est les nouveautés de Sephora, vous savez, c'est les rouges veloutés sans transfert. Voilà. Je vais à Rion. Et après, on ira peut-être le samedi prochain à Clermont avec Victoria. Donc voilà, si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir, ça me ferait super plaisir de vous voir. Et prendre des photos avec vous, etc. Ça me fait trop plaisir. Et sinon cet été, pour ceux qui m'ont demandé si je repars en colo, si je pars, etc. C'est pas prévu que je parte. Je compte partir quelques jours avec mes parents à Rome, puisque ma soeur va y passer 6 mois pour finir ses études. Parce que là, elle a fini les cours, du coup, elle doit faire un stage de 6 mois à l'étranger. Du coup, elle est à Rome. Elle cherchait la lettre que les filles m'ont faite. Et je vais vous la lire avec vous, j'ai déjà lu mais ça remonte parce qu'elles m'ont fait un peu longtemps. Donc je vais la chercher et je reviens. Notre petite Emma, avant de finir cette vidéo, j'aimerais faire une petite dédicace à mes deux colocataires de chambre d'internat, Sarah et Jade. J'aimerais les remercier pour toute la bonne humeur qu'elles m'apportent, ainsi que les conneries qui me font rire chaque soir et dont je ne les... Et donc je me lasserai jamais. Ah ça c'est vrai parce que je vous l'assure, je pense qu'un jour, vers la fin de l'année là, quand on sera un peu plus libre, je vous jure, mais je me tape de ces fous rires, mais je crois que franchement je suis super contente d'être à l'internat parce que franchement je crois que j'ai eu les meilleurs fous rires de ma vie à l'internat, c'est un truc de fou comment on s'éclate. Et du coup je pense que je vous ferai un peu un vlog vidéo sur l'internat pour vous montrer que l'internat, bon d'accord c'est strict et tout machin, mais c'est un C'est un super bon côté aussi l'internat, franchement moi, peut-être qu'après il faut trouver les bonnes personnes, mais moi personnellement je m'éclate de ouf à l'internat avec elles, donc voilà. J'espère pouvoir vous les présenter un jour, en attendant, allez les suivre donc sur Instagram et Snapchat, je vous mettrai leurs réseaux sociaux en barre d'infos, et oui,
Donc s'il y a plus de 1000 likes sur cette vidéo, vous aurez une vidéo avec Ange, Vic, Sarah et Jade, donc celles qui l'ont dit, hein. Moi je règle pas les likes, le nombre de likes. Donc s'il y a 1000 likes sur cette vidéo, je pense qu'elles sont un peu grands parce que je sais pas si on les aura un jour. Emma, nous voulions te dire que nous t'aimons beaucoup, que nous serons toujours là pour toi et toujours prêtes à te redonner le sourire dans les moments difficiles. Une amitié qui a très bien commencé et qui n'est pas prête de se terminer. Nous te faisons de gros bisous sur les fesses. Merci beaucoup les filles. Et te souhaitons de la réussite pour tes vidéos. Abonnez-vous à elle. À son trois choux. Et j'ai aussi un message de Victoria. Attends, ça date de ouf ça. Bonjour tout le monde, moi c'est Vic. Je ferai pas très long, je tiens juste à vous dire 2-3 choses sur votre petite youtubeuse Just Emma. Tout le monde dit Just Emma, c'est justement à prononcer à l'anglaise. Voilà, allez, c'est très bien. Alors faut savoir que pour la plupart vous la connaissez pas en vrai, mais elle peut paraître géniale en vidéo, mais elle est encore plus en vrai. Je l'aime à la folie et elle mérite votre soutien, notre soutien. Elle est drôle, souriante et tellement attachante. Alors si vous la croisez dans la rue, n'hésitez pas à aller la voir. Elle vous accueillera les bras ouverts. Et là, c'est totalement vrai, elle me connaît par cœur. Bon, sinon, petite pub, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Et aimer ma page Facebook, vêtements Emma explique s'il te plaît B. Ah oui, mais ça date ça du coup. Et voilà, je la remercie beaucoup, mais elle sait déjà tout ce que je pense d'elle. Je la remercie beaucoup parce que franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait cette année sans elle. Franchement, je vous assure, des fois j'ai pas du tout envie d'aller au lycée, mais heureusement qu'elles y sont parce que franchement, je me tape les meilleurs fous rires de ma vie. J'ai passé les meilleurs moments de ma vie là-bas, je crois bien. Et voilà, donc si vous voulez une vidéo avec elle, n'hésitez pas à mettre plein de likes et allez voir leurs réseaux sociaux en barre d'infos. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Tant que j'y ai, je fais encore une grosse dédicace au lycée Jean Monnet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like et un commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime.